الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Le messager صلى الله عليه وسلم durant l'année 10e de l'année mécoise a vécu l'année de la tristesse. Pourquoi l'année de la tristesse? Car deux personnes clés, deux personnes importantes sont décédées durant cette année-là. Khadija radiyallahu anha et l'oncle du messager sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Le messager sallallahu alayhi wa sallam apprend qu'Abu Talib est en train d'agoniser. Donc il va aller le voir, il va à son chevet. Il lui dit, Ya Amma, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ كَلِمَةٌ حَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ. Oh mon oncle, dis cette parole. Proclame cette formule du tawhid. Dis la ilaha illallah. Je pourrais intercéder pour toi avec cette parole-là. À votre avis, Abu Talib, il est en train d'agoniser. Il est dans un moment de faiblesse. Est-ce qu'il va être capable? Est-ce qu'il va avoir le courage de dire la ilaha illallah? Qu'est-ce qu'il dit, Abu Talib? Laoula tu'ayyarani Quraysh yaquluna ma hamalahu alayhi illa jaz'u al-maut. Il dit, si je n'avais pas peur d'être blâmé, que les gens de Quraysh se moquent de moi, je l'aurais prononcé cette parole. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici, barakallahu fikoum, qu'il y a une pression. Une pression idéologique? Non, une pression sociale, liée à ce besoin d'appartenance, d'appartenir à une tribu, et non pas d'appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version, Abu Jahl et Abu Lahab, lorsqu'ils entendent le messager sallallahu alayhi wa sallam faire la da'wa à Abu Lahab, à Abu Talib, ils lui disent « Atarghabu an millati Abdul Muttalib ?» Est-ce que tu vas délaisser la religion de Abdul Muttalib? Et là, Abu Lahab et Abu Jahl, ils vont utiliser un biais cognitif. Ce biais cognitif, qui est basé sur le besoin d'appartenir à un groupe, le besoin d'appartenance, la religion de Abdul Muttalib. Et lorsqu'ils disent cette parole-là, à ce moment-là, Abu Talib est pris par l'ego, l'ego d'appartenir et de rester avec cette tribu-là. Et en réalité, un biais cognitif, c'est quoi? C'est juste une façon, c'est un raisonnement qui va t'induire en erreur et qui va te pousser à prendre des décisions en réalité qui ne sont pas du tout logiques. Quel est le fait de dire la ilaha illallah et quel est le fait de s'affilier à Millat Abdul Muttalib? Et vous savez, le pire dans tout cela, c'est que des notables de Quraysh deviendront musulmans après la mort d'Abu Talib. Donc quelque part, Abu Talib, il a tout perdu. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce que son affirmation, parce que son identité, elle était sociale et elle n'était pas religieuse. Et énormément de personnes vivent dans cette pression sociale. Si on peut parler ça comme une humiliation sociale. On a peur d'être humilié socialement. Donc, on est prêt à désobéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, une histoire qui m'est arrivée personnellement. Lorsque j'enseignais dans l'une des universités pas loin de la frontière yéménite, dans la ville de Jizan, il y avait un professeur avec nous, il était américain. Et la plupart des professeurs étaient américains. Et vous savez, les Américains, ils ont un peu cette fierté du christianisme, donc ils disent ouvertement qu'ils sont chrétiens, même dans leur vocabulaire. Et un jour, il tombe malade, ce professeur. Et qu'est-ce qu'on décide, moi et quelques collègues dans l'administration musulmane, de visiter ce monsieur et d'en profiter pour lui parler du tawhid, pour lui expliquer notre religion. Et on avait déjà des affinités auparavant. Déjà, dès qu'on rentre dans l'hôpital, il est surpris. Pourquoi? Parce qu'aucun de ses collègues, qui eux étaient chrétiens, ne l'avait visité. Ça faisait 3-4 jours qu'il était à l'hôpital. Donc il est surpris. Donc nous, on prend cette opportunité pour lui parler de la religion d'Allah subhanahu. Donc je lui explique les choses de la ilaha illallah, je lui explique différentes formes de tawhid. Et il commence à pleurer. Il y a une larme qui descend de ses yeux. Et il me met une main, il me met sa main sur l'épaule. Il me dit, Ya Hamid, je sais que ta religion est vérité, que ta parole est vérité, que ton prophète est vérité. Mais je ne peux pas. Je lui dis, mais pourquoi? Quelle est la raison? Il me dit, ma famille au Texas, dans le sud de l'Amérique, s'ils apprennent ça, je vais être exclu. Je vais être exclu, religieusement non, socialement. Pourtant,
On est à 15 000 km du Texas. On est à 15 heures d'avion du Texas. Mais la pression sociale, elle est toujours présente. Donc, il a refusé le paradis. Il a refusé l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam. À cause de quoi? À cause de cette pression sociale. C'est ça la réalité. Ou bien, il n'a pas eu le courage. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, barakallahu fikoum. Il n'a pas eu le courage de prononcer cette parole du tawhid. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui l'a façonné. Car son identité, elle est sociale, elle n'est pas religieuse. Son apprentissage, il est social, il n'est pas religieux. Et cette problématique, je voulais exposer face à des non-musulmans. Maintenant, si on exposait cette problématique face à des musulmans, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des musulmans qui vivent une pression sociale et qui ne peuvent pas vivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam entièrement? Est-ce qu'il existe des musulmans qui vivent dans ce cas-là? Lorsqu'ils sont prêts à faire, à avoir un projet, ou bien ils veulent célébrer une fête, ils disent, regarde papa, maman, ce qu'il a dit le messager. Et eux, qu'est-ce qu'ils leur disent leurs parents? Regarde ce qu'elle a dit notre culture. Regarde ce qu'elles disent nos traditions. Et je m'adresse, on va dire spécifiquement, à la culture maghrébine. Et par analogie aussi aux autres communautés. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, les Maghrébins sont ceux qui représentent le plus les musulmans ici. On a des coutumes, on a cet héritage culturel qui parfois vient fausser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si vous baladez dans cette ville, vous pouvez trouver des maisons sur lesquelles vous allez voir des mains de Fatma. Qu'est-ce que font des mains de Fatma ici? Pour vous dire que cet héritage, il est encore, je ne sais pas s'il est exporté ou importé, mais il est existant. Les gens ont encore ces façons de penser. Et, excusez-moi du terme, si on peut utiliser ça, le maghrébisme, c'est-à-dire, quand je dis le maghrébisme, c'est-à-dire les aspects négatifs ou les coutumes négatives qui sont issues du Maghreb. Ce maghrébisme, en réalité, il nous cause du tort à nous, dans un premier temps, et aussi à des personnes qui sont extérieures à notre communauté et des personnes qui sont extérieures à notre religion. Et vous le voyez, les gens, lorsqu'ils célèbrent des mariages ici, est-ce qu'ils les font selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam ou bien selon la sunna du maghrébisme? Selon la sunna du maghrébisme. Et vous les voyez, ils bloquent les rues et en plus de cela, ils sortent les drapeaux pour vraiment savoir de quel pays est-ce qu'ils viennent. Et ils en sont fiers. Tout simplement, pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles ont hérité d'un apprentissage social et non pas d'un apprentissage religieux. On nous dit qu'il existe des quartiers islamisés. Vous rentrez dans ces quartiers-là, qu'est-ce que vous allez trouver dans ces quartiers? Je ne suis pas en train de généraliser. Mais dans certains quartiers, c'est quoi? Là, cette période estivale, c'est des barbecues autour de bière, autour de joint, musique à fond, ils dérangent tout le monde, ils agacent tout le monde durant tout l'été. Et certaines personnes s'identifient à cette culture-là. Je dis certaines personnes pour ne pas généraliser. Si vraiment ces quartiers étaient islamisés, pensez-vous pas qu'on pourrait laisser notre porte ouverte, les portes de nos voitures ouvertes? Est-ce que vous trouvez dans ces parcs-là des personnes en train de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? En aucun cas. Mais pourquoi il y a un amalgame, même chez les non-musulmans, entre le maghrébin et le musulman? Pourquoi? Parce que malheureusement, 80% des personnes qui pratiquent aujourd'hui ne pratiquent pas selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils pratiquent selon la culture par laquelle ils ont été inculqués. Et lorsque tu les mets face à cela, ils ont du mal. Ils ont du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de cette humiliation sociale. Ils ont peur d'être exclus de leur groupe. Ils ont peur d'être exclus de leur tribu. Donc, ils se soumettent à cette pression sociale. Et que ces personnes-là, en réalité, elles n'ont pas une identité religieuse, mais elles ont une identité sociale. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ. Lorsque tu les exhortes à venir à contempler les paroles d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam, de se soumettre aux paroles d'Allah et du messager, qu'est-ce qu'ils disent? قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Il dit, on va se limiter tout simplement à ces traditions que nous avons héritées de nos ancêtres et elles sont amplement suffisantes. Et même si leurs ancêtres ne connaissaient rien, ne comprenaient rien, ils s'étaient détournés de la religion, on les suit aveuglément. Et vous, ça vous arrive à plusieurs fois. Vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est contre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous avez peur d'être exclu socialement. Vous avez peur du regard des gens, donc vous vous soumettez à cela.
Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَلَوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي مَا رَجَمْ مِمَّا فَلَوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. C'est-à-dire que cette foi-là, elle ne sera jamais complète jusqu'à ce que vous soumettiez entièrement à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on vous la présente, il n'y a aucune rancœur dans vos poitrines. Lorsque tu vas te marier, oui, mais il faut faire cette partie musicale. D'accord, je ferme les yeux, moi j'y assiste pas, vous faites votre truc. Non, il faut que tu aies le courage. Il faut que tu aies le courage aujourd'hui, naam. Car ces traditions-là, ces coutumes, elles sont en contradiction avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu es prêt à faire comme Abu Talib? Vendre le paradis, vendre l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam pour le regard des gens? T'es prêt à faire ça? C'est ce que tu es en train de faire, indirectement. Donc méfiez-vous de cela, barakallahu fikoum. C'est à vous de déceler ces traditions, ces coutumes qui sont à l'extérieur, qui sont antinomiques à l'islam, qui sont contraires aux valeurs de l'islam. Parce que si vous ne le faites pas, n'oubliez pas que vous êtes des représentants de l'islam. Les gens vous voient comme des représentants de l'islam. Et cet amalgame a été créé depuis des années entre le maghrébin et le musulman. Et si on peut utiliser le terme aujourd'hui, il y a même des maghrébistes. C'est-à-dire qu'ils t'imposent leur culture selon leurs traditions et selon leurs codes à eux. Et ces traditions, ces codes-là, elles viennent effacer quelque part la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ai dit aussi, par analogie, c'est aussi dans d'autres cultures. Les Turcs, les Sénégalais, les Maliens, les Comoriens, ils ont le même problème aussi. Barakallahu fikoum aussi, sachez que lorsque tu es maghrébin ou comorien ou sénégalais, qu'il y a un héritage, il y a un réel héritage dans ton pays. Les héritiers du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils existent dans ton pays. Mais le problème, c'est que quand tu vas là, à ton pays, tu ne les visites pas, ces gens-là. Et le seul héritage que tu as de ton pays, c'est quoi? C'est des joueurs de foot, des chanteurs, des chanteuses, des danseurs et des danseuses. Pourtant, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont des héritiers du messager sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les héritiers de qui? De Iblis. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Iblis va essayer d'égarer la plupart des gens à travers son son, ce son musical, ce son qui appelle au péché. Alors que les vrais héritiers du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dans vos pays respectifs, est-ce que vous les connaissez? Si je vous dis Cheikh Taqiyuddin Hilali au Maroc, est-ce que vous le connaissez? Si je vous dis Cheikh Abdelhamid ibn al-Badis en Algérie, est-ce que vous le connaissez? Si je vous dis Cheikh Tahir ibn Ashour en Tunisie, est-ce que vous le connaissez? Si je vous dis Cheikh Mohamed ibn Salim al-Addoud en Mauritanie, est-ce que vous le connaissez? Très peu de personnes le connaissent. Pourtant, eux, ce sont les héritiers du messager. C'est-à-dire que l'héritage du messager, ils en ont pris une part et ils sont en train toujours de l'enseigner et le transférer aux générations qui viennent. Mais le problème, c'est nous, barakallahu fikoum. C'est nous, car on ne connaît pas assez notre religion. Car notre apprentissage, il est seulement basé sur une culture. Et avec une culture, on n'avance pas. On avance avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez juste en ce moment, dans nos pays respectifs, il est difficile d'avoir accès à une udhiya, acheter un sacrifice. Il y a des personnes, elles sont prêtes à s'endetter, payer jusqu'à 500, 600 euros alors que leur revenu il est de 100 euros, 200 euros, emprunter de l'argent pour effectuer cette sunna. Non, c'est pas la sunna qui les intéresse. À la base, la sunna, c'est que quand tu n'as pas les moyens, étant donné que c'est une sunna mu'akkada, tu la délaisses vu que tu n'as pas les moyens. Mais eux, ils cherchent à quoi? Ils cherchent tout simplement le regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire sur eux? Donc, en vérité, ils sont obnubilés, ils sont obstinés par le regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire sur moi? Et regardez l'exagération. Énormément de frères, de sœurs qui viennent nous voir, qui viennent voir les imams. Au pays, mon père est décédé. Malheureusement, ils ont construit une tombe, une pierre tombale, avec des gravures dessus. Et je sais que ça, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et pire que ça, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Sous couvert du malikisme. Ils disent que l'imam Malik, rahmatullah alayhi, qui a dit ça. Alors que c'est totalement faux. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, basé sur la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, cela est totalement interdit. Donc regardez comment
Ils utilisent ces manipulations à travers la religion, à travers l'école malikite. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des coutumes. Pourquoi ? Parce que, barakallahu fikoum, il y a aussi un contexte historique. Ce qu'il faut comprendre, dans les pays du Maghreb, ou en Afrique de manière générale, c'est que ces deux derniers siècles, nous avons eu le colonialisme, nous avons eu le panagisme, nous avons eu aussi d'autres personnes de d'autres religions. Donc qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Ces gens-là, ils ont pris un peu de tout. Et ils ont pris un petit 10% et ils ont peint avec une couleur soi-disant islamique. Mais quand tu regardes à l'intérieur, tu trouves qu'en réalité, il y a énormément de coutumes, il y a énormément de codes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc c'est à vous maintenant de déceler cela et d'en faire la distinction et aussi d'avoir le courage de dénoncer cela, de dénoncer toute personne qui est maghrébiste. Pourquoi ? Parce qu'elle impose cela. Elle impose cela à sa communauté, elle impose cela dans les mosquées, elle impose cela dans les célébrations. La seule chose que tu peux imposer, c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Donc cela, barakallahu fikum, est très très important. Et aussi, il faut savoir que aujourd'hui, énormément de personnes se plaignent de ce culturalisme que nous avons. Il y avait des personnes avant, elles rêvaient d'avoir une deuxième famille lorsqu'elles embrassaient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles disent, voilà, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui est musulman. Si je vais aller dans une famille maghrébine, eh bien, alhamdoulilah, au moins, j'aurai un petit nid musulman. J'aurai des beaux-parents musulmans. Mais cette personne-là, avant d'avoir attesté la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'est éduquée. Elle a lu le Coran, elle a lu la sunna. Et lorsqu'elle arrive dans cette famille-là, dans sa belle famille, elle trouve qu'en réalité, sa famille, elle est en contradiction avec ces fondements-là. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, leur apprentissage, il était seulement culturel et il n'était pas religieux. Donc même maintenant, il y a une nouvelle tendance. Non, chacun reste dans sa tribu, chacun reste dans sa communauté, chacun reste dans ses codes à lui. Donc on voit qu'indirectement, barakallahu fikoum, on est en train de porter atteinte à l'image de l'islam à travers ce maghrébisme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vous parle du maghrébisme, cet aspect négatif. Comme je vous ai dit précédemment, barakallahu fikoum, il y a un aspect positif dans notre pays, mais c'est nous qui n'allons pas l'exploiter et c'est nous qui ne le mettons pas en avant. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi, waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Subhanaka bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayk. La ilaha illa